Nous voilà à Édimbourg avec un vlog en français. La dernière fois que j'en ai fait un, je partais d'Édimbourg. Je suis partie d'Édimbourg le 18 décembre et je viens juste de rentrer aujourd'hui le 22. Je suis un peu fatiguée. Il est 3h de l'après-midi. Je viens juste de manger. Mon Netflix vient enfin de se mettre au Netflix UK. La dernière fois, c'était pas mieux Netflix UK. Il était resté au Netflix France et là, il est passé au UK. Il y a The Guns, c'est Literary and Prosopopeia by Society dessus et. Ah, j'adore ce film. Mais, je suis rentrée. Il y avait tout ça qui m'attendait. J'ai un paquet Etsy, donc ça, on va l'ouvrir ensemble. Je crois que c'est un marque-page. On va essayer de ne pas déchirer ça. Exactement. Oh mon dieu, il est beau. Alors, je vais vous mettre en contexte. J'ai acheté du coup la box de Poppy War de Illumicrate et il y avait ce marque-page avec, qui est absolument magnifique. Et du coup, je suis allée voir l'artiste qui fait ce marque-page et elle faisait des précommandes pour un marque-page d'Adi Larue. Alors oui, aussi, je devais faire un vlog d'Adi Larue et j'avais mis tout mon footage sur une clé USB. C'est parce qu'il y avait 38 Go quand même de footage. Et entre le moment où j'ai mis le footage dessus et il y a 2 jours, la clé USB s'est détériorée. Voilà. Donc j'ai perdu tout mon footage d'Adi Larue. Donc vous ne verrez pas mon vlog d'Adi. Je suis désolée parce que je m'étais éclatée à le filmer. Mais bref. Du coup, oui, j'avais précommandé le marque-page d'Adi qui est en fait un mixte de la version US et de la version UK. Il est magnifique. Voilà. Je suis incroyablement fan, je vous laisserai l'Etsy dans la barre d'infos. Mais il est incroyable, il est vraiment magnifique, c'est du fer. Et en fait, ouais, j'avais tellement, tellement aimé celui de The Poppy War que je me suis dit, il faut en acheter d'autres. Donc voilà, je suis hyper fan, il est vraiment magnifique. Et il va extrêmement bien avec mon édition, parce que j'ai l'édition Waterstones qui est noire et dorée. Donc c'est parfait, voilà. Après, j'ai une lettre de Tiffany. Oh, je suis trop contente. Je laisserai vraiment les Instagram de tout le monde. Et du coup, bah, Tiffany, elle a une chaîne YouTube qui est incroyable. Du coup, je laisserai ça dans la barre d'infos. Mais ah, j'ai une lettre de Tiffany. Je suis trop contente. Franchement, avoir des lettres, c'est ma vie. Et quand je suis arrivée, le gars qui travaille à l'office de mon accommodation m'a dit « Vous avez reçu plein de cartes de Noël. » Donc voilà, j'ai trop hâte de vraiment. Après, j'ai reçu une lettre de mon ami Shelby. Il y a son adresse juste là, c'est pour ça que je la cache. Mais je vais vous montrer. Elle a mis une petite étoile pour Aloka. Oh mon dieu, je suis trop contente. C'est magnifique. J'ai une lettre du coup de l'autrice Chloe Gang. Parce que j'avais précommandé des livres et donc du coup on pouvait recevoir des goodies. Donc c'est ça. Est-ce que je loupe dans le bon sens? Je ne sais pas. Elle a une super belle écriture. D'ailleurs, son écriture me fait penser à la mienne. Je viens juste de me complimenter. On peut focuser sur moi. Eh oh! Merci. C'était pas en focus. Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Oh mon dieu! Oh mon dieu, tu es de toute beauté de ce côté-là. Focus s'il te plaît, merci. On a Roma. Voilà. Et de l'autre côté, on a Juliette. Il est pas magnifique? Oh, je suis amoureuse. Il est magnifique. On a une carte. Waouh! Wow. Donc je suppose que c'est Juliette et Roma, hein. Elle est vraiment belle. Il y a un book plate avec la signature. Alors du coup, moi, j'avais précommandé une édition qui était signée. Donc peut-être que je pourrais la mettre dans mon arc. Parce que j'ai une arc. Peut-être. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que
Moi, dans celle que j'ai, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Alors, du coup, j'ai mon arc et j'ai l'édition finie. Pourquoi je vais dire terminée? Et donc, du coup, le bookplate, il est comme ça. Donc, c'est pas du tout la même chose. Rien à voir. Du coup, je pense que je vais le mettre dans mon arc. Ça rendra mon arc encore plus spécial. Et voilà. Du coup, je vais mettre ça juste derrière. Mais ouais, je vais mettre le bookplate dans mon arc. Ce petit bébé. Voilà, parce que j'avais vraiment commencé à lire, parce qu'en plus, j'avais annoté ce que j'avais lu. J'avais lu à peu près 100 pages, donc j'ai quand même bien lu. Voilà. Est-ce qu'il rentrerait là? Il rentre pas! Mon dieu! Ah, je peux mettre là. For you, dearest reader. Bah voilà, on va mettre là. Hein? On va faire ça ensemble. Parce que il est hors de question que je donne mon arc. Voilà. Non. Non. Je ne donne pas mes arcs par des auteurs asiatiques. C'est très compliqué de m'en défaire, on va dire. Donc, non. C'est quoi? Compliqué de les faire là. Oups, j'ai ouvert FaceTime sans faire exprès. Drôle. Alors. Voilà. Oh, il se fait par petits morceaux. C'est pas grave. Voilà. On va le mettre juste là. Ça va vraiment super bien rendre. Et moi, ça me fera plaisir de le voir. Et voilà. Trop contente. Je vais les remettre. J'aime énormément recevoir des outprints, des livres. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Et je sens que ça va être un de mes livres préférés. Donc voilà. Ça me fait hyper plaisir. Après j'ai reçu un livre que j'avais commandé. Parce que je pense que je l'avais déjà dit. C'est pas dans une langue en français. Mais en fait quand on est au UK, Book Depository, on peut pas voir toutes les éditions, on peut pas avoir les éditions US. Voilà, si vous ne le savez pas. Du coup, il y a un livre que je voulais pas la version UK, je voulais la version US, du coup je l'ai commandé. Et heureusement que je l'ai commandé avant le Brexit, parce que maintenant les livres sont tellement chers. Les versions US, super chères. On s'en fiche de ça. J'ai commandé Written in the Stars. Donc apparemment c'est un retelling de Pride and Prejudice. Mais ça fique. Voilà. Regardez. Non, arrête de focus sur ma tête. Là. Attendez. Voilà. Regardez-les. Ah, j'ai hâte. Hâte de lire. Je sens que février ça va être un mois romance. Pas parce que c'est la Saint-Valentin, mais parce que j'ai commencé à lire de la SOE Confection en décembre et je me suis un peu stoppée là parce que j'avais d'autres livres que je voulais lire, mais j'ai envie de lire de la SOE Confection et j'ai aussi envie de lire de la romance contemporaine. Donc je sens que février ça va y aller. J'en ai quelques-unes donc voilà. Ma carte était pleine, du coup j'ai dû tout transférer sur mon ordi. Voilà. Du coup en attendant que tout se transfère, j'ai lu mes petites cartes et... Ouh, mon cœur, mon dieu. J'ai juste vous montrer la carte que Tiffany m'a envoyée. Parce que j'ai un peu hurlé à l'intérieur de moi-même quand je l'ai vue. Vraiment. Vraiment. C'est fait par Cidre Brouilleux. Oh, je l'avais vue cette carte et je la trouvais magnifique. Et quand j'ai ouvert, je fais... C'est la carte faite par Cidre Brouilleux. Oh mon dieu, regardez. Oh. J'aime trop. Voilà, je sais plus ce que je disais en partir, mais en fait, j'ai eu un paquet d'Illumicrate. Parce que mon père m'a offert les éditions spéciales d'Illumicrate
de Uprooted et Spinning Silver, donc c'est l'un dedans. J'ai jamais lu ces livres, mais j'ai beaucoup d'amis qui adorent. Et récemment, j'ai lu A Deadly Education de Naomi Novik et j'ai beaucoup aimé. Pas hyper fan des petits commentaires racistes qui avaient absolument rien à faire là. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son écriture. J'adore les éditions UK de ses livres, les hardbacks, et elles sont plus en vente. Du coup, quand j'ai vu qu'il lui créait non seulement les faisait, mais qu'en plus c'était signé et c'était genre dans un box set spécifique, j'ai eu envie de les avoir. Du coup, mon père m'a offert ça. Ouh, une beauté. Oh wow. On enlève ça. Waouh. Regardez-moi ça. Bonjour, pouvez-vous voir? Oh, waouh. Ouh là là. Ok. Ok. J'adore ça dans une pochette. Oh mon dieu, regardez en dessous. Attendez, puis je vous mets dans le bon sens. Voilà. Waouh. Wow. C'est... Il y a tellement de détails. C'est magnifique. Absolument magnifique. Waouh, je... Sans les allumer, s'il te plaît, Guyenne. Mon père déteste que je m'appelle comme ça à chaque fois. Parce qu'en fait, lui, quand il s'engueule, il fait la même chose. Du coup, des fois, quand je m'engueule moi-même et qu'il l'a fait, pourquoi tu me parles comme ça? Voilà, anecdote. Bon, les boîtes, je les réutiliserai. De toute façon, le papier aussi. Donc, j'ai tendance à réutiliser mes boîtes. Voilà. Mais pas ça. Hein. Ça servira à rien. Waouh! Elle est très belle. Elle est très très belle. Très très belle. Allez, on peut le faire. Ça veut pas descendre. Voilà. Ok, c'est blanc à l'intérieur. Waouh, elles sont d'une beauté. Les pages sont dorées. Donc, cette couverture absolument magnifique. Je suis désolée, hein, mais c'est magnifique. Je vais pas m'en remettre. Mon dieu. Waouh, regardez. Regardez-moi ça. Comment c'est doré, là. C'est trop beau. C'est absolument magnifique. Donc, comme je vous l'ai dit, les pages sont toutes dorées. C'est très beau, ça. C'est vraiment très, 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 très beau. Ok. Donc, si je me trompe pas, ah, les pages sont collées. Est-ce que c'est une page différente, ça, qui a été ajoutée? Très probablement. Donc, il y a une lettre de Naomi Novik. Et en fait, là, elle a signé directement sur le papier. Voilà. Donc, c'est pas imprimé. C'est sa signature sur le papier. Mon dieu. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ouh, il y a un marque-page intégré. Oh, marque-page. Ouh, ce marque-page intégré est mentalo. Comme d'ailleurs, je pense, le reste du livre en dessous. Il y a un truc sur la couverture. Oh mon dieu. Oh. Pour être honnête, ça en vaut totalement prêt. Totalement. Ok, voilà. Donc on a une maison. Et regardez-moi ça. Il y a une quote du livre. Est-ce que ça peut bien focuser? Voilà. Oh mon dieu. Mon dieu, genre pour des hardbacks adultes,
Avec ça, oui, ça en vaut le prix. Ça en vaut totalement le prix. N'y a pas photo. Il est magnifique. Absolument magnifique. Je... Voilà, hein. C'est magnifique. Waouh. Absolument incroyable. Le boulot qu'il y a derrière ces éditions, c'est assez incroyable. C'est blurbed par Robin Hobb. Et je compte lire Assassin's Apprentice de Robin Hobb très bientôt. Donc ça me fait plaisir de voir qu'elle aimait ça. Et donc du coup, on a Spinning Silver, qui est de toute beauté aussi, hein. Avec le dos. Voilà. Et les pages sont argentées. Ça se voit pas à la caméra, mais elles sont argentées. Oh mon dieu, les petites feuilles. Les feuilles sont violettes. Waouh. Je suis un peu. Je suis amoureuse. C'est beau. C'est vraiment beau. Enfin. Voilà, non, enfin, j'ai rien à dire. C'est absolument beau. Voilà. Donc, une fois encore, il y a une lettre de Norman Offeck. Du coup, chaque lettre est spécifique au livre. Donc, elle parle à chaque fois de ses personnages et de son process. Et c'est aussi signé, du coup. C'est beau, c'est juste beau, écoutez. Et on a encore une fois une quote du livre. Et encore une fois, on a un marque-page intégré qui est. Il y a de la couleur du lac en fait. Voilà. Je suis amoureuse. C'est beau. C'est juste beau. C'est un beau bébé. J'ai pas reçu d'email de Penguin, mais. Je sais peut-être ce que c'est. Je sais peut-être ce que c'est. C'est un peu ouvert l'ordre à voir. J'avais raison. Oh mon dieu, elle est belle. Donc en fait, c'est Malice. Effectivement, c'est une arc, elle est pas terminée, mais. Once upon a time. There was a villain. En gros, c'est un retelling de La Belle au bois dormant, sauf que la princesse tombe amoureuse de la méchante sorcière. Oh, c'est un début. Oh, c'est le premier livre de l'autrice. Ouh, ça va être très beau en copie terminée avec la petite fumée là. Très rapidement, je vais vous dire ce que je suis en train de lire. Donc, j'ai commencé A Million Junes dans l'avion aujourd'hui. Je crois que l'autrice, Emily Henry, c'est celle qui a écrit Beetroot. Je crois. J'en suis à la page 56. De ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un retelling moderne de Roméo et Juliette, avec un peu de fabulisme. Voilà. Pour l'instant, j'apprécie énormément. June va avoir 18 ans. Et Saul, lui, a 21 ans. Je pense que ça s'attape un peu plus dans le new adulte que dans la catégorie young adulte. Je parle de l'âge, hein. Je parle pas de la romance new adulte. Voilà. Et en fait, j'ai commencé ce livre parce que mon ami Sydney adore ce livre. Et coïncidence, je commence aujourd'hui Holopox en buddy read avec Sydney. Donc voilà, on va lire 5 chapitres par jour. Et ça va nous faire une semaine à peu près. Donc voilà. J'ai hâte de lire tout ça. Tellement hâte. Alors, il est 10h35. Je me suis réveillée, il était 9h40. Le truc, c'est que j'ai dormi presque 11h. Ouais. J'étais en train de lire Holopox et je me suis endormie. Et je me suis réveillée vers 1h du matin. Toutes mes lumières étaient encore allumées. J'étais pas à changer en pyjama, rien du tout. Et.
Bah, j'ai fait ça et je suis allée me recoucher. Tout va bien. Du coup, bah, j'ai pas lu beaucoup de l'Opox et je suis trop triste. J'ai même pas fini mon thé. Tout va bien. Il est 2h28 et j'ai passé en fait beaucoup beaucoup de temps à journaling. J'ai rien des problèmes, j'ai évidemment des mots, je sais pas comment on les dit en français, désolé. Donc ouais, j'ai fait deux spreads complètement entiers et après une autre page. Je peux vous montrer ça que j'ai fait. Il n'y a pas d'informations personnelles dessus. Donc c'est juste mon ticket de tram pour mon retour. Ça faisait partie d'une lettre que j'avais reçue, donc c'est le dos en fait. Je crois que c'est mon amie Mélanie qui m'a envoyé une lettre et il y avait ça à l'intérieur. Et là, c'est une citation de The Gilded Rose. Mais ouais, dans les deux autres trucs, il y a des informations personnelles. Il y a mon billet d'avion pour mon retour et après, il y a carrément mon adresse en France. Bref, je vais aller manger un truc parce que je commence vraiment à avoir faim. Et je me suis fait une tasse de thé que j'ai déjà bu, qui est le même thé que j'ai bu hier, je sais pas si je l'ai montré, peut-être. En gros, une de mes amies m'a offert un thé de chez... Attendez, je reviens. Je vous montrerai. Alors, mon amie Justine m'a offert en fait un thé de chez Mariage Frère, le Marco Polo, pour Noël. Et j'avais toujours eu envie de le goûter. Et qu'est-ce qu'il est bon! Ah, j'en ai pris une tasse hier, là j'en ai rebu une tasse. Non seulement il sent super bon, mais la senteur match le goût, ça j'adore. Donc je vais aller manger un truc, je sais pas encore quoi, mais manger quelque chose et après je vais me mettre dans mon lit et je vais lire parce que j'ai pas encore lu aujourd'hui. Oh là, il est 1h37. Oui, je sais. Je suis levée depuis quand même 9h. Et je suis en train de me faire à manger. Si vous entendez un truc, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'en suis à l'épisode 18 de la saison 2 de The Office. Voilà. Et j'ai commencé une nouvelle écharpe. Parce que j'ai terminé mon écharpe et j'ai appris un nouveau point hier, si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc j'ai commencé une nouvelle écharpe. Ma vie est passionnante. Et hier j'ai lu mes chapitres du coup pour Holopox. Si vraiment vous n'avez pas encore lu Nevermore, c'est le premier livre du coup dans la série. Je recommande totalement. Donc aujourd'hui j'aimerais lire jusqu'à la page 180 quelques, je crois, le chapitre terminé. Attendez. Oups, trop loin. Jusqu'à la page 181. Voilà, donc ça va être bien lire. Hier, je suis restée éveillée jusqu'à 2h pour finir. Voilà, voilà. Et il faut que j'édite mon book haul aujourd'hui et que je range ma valise. J'ai déjà un peu commencé à sortir le truc et mettre sur mon lit.
Et voilà. Et je vais aller continuer de cuisiner avant que ça brûle. Voilà, il est 10h, je vais me mettre dans mon lit, je vais lire. J'ai fait un Skype avec des amis, du coup je vous ai pas trop parlé aujourd'hui, je suis désolée. Mais j'ai nettoyé tout mon appart, donc ça c'est cool. Et ouais, c'est une bonne journée. Demain je commence les cours à 10h, deuxième semestre. J'ai hâte. Ça fait trop bien parce que j'ai pas eu cours depuis plus d'un mois. Voilà, mon dernier semestre s'est terminé le 14 décembre. 14? Ouais, 14 décembre. Du coup, ça fait vraiment plus d'un mois. Mais bon, ça devrait bien se passer. Je crois que j'ai que une heure de cours demain. Je sais pas, on n'a pas vraiment eu un emploi du temps, donc ça a été un peu compliqué de savoir ce qu'on avait ou pas. Mais bon, je verrai. Du coup, oui, je vais lire Holopox. Et je vais me coucher. Voilà, là je viens de sortir de ma douche. Mais ouais, je suis un peu fatiguée, je dois l'avouer. J'étais un peu en situation de stress là, cette soirée. Mais j'ai tout de même hâte de commencer les cours parce que ça fait quand même du bien de faire quelque chose. Surtout là pendant le confinement parce que c'est pas que je m'ennuie, hein, mais c'est le troisième jour et mon corps il est un peu là en mode j'ai envie de bouger.